Magnifique! Max, ton jeu s'est encore amélioré. J'aime bien ce morceau, il donne la pêche. C'est vrai, et pourtant, cette pêche dont tu parles, elle remonte à très loin. Pour écrire ses danses hongroises, Brahms s'est inspiré de vieilles musiques populaires tziganes. Oh, ah bon? C'est des gens qui jouaient dans la rue qui ont inspiré Brahms? Trop bizarre. Bizarre? Dis-moi, Max, aujourd'hui, il y a bien des rappeurs qui utilisent de la musique classique, non? Et ça déchire, comme vous dites. Les musiques de la rue sont comme toutes les musiques. Il faut s'en nourrir et les respecter. Oh! Elle avait pourtant dit qu'elle appellerait ce matin. Oh! Gloria, comment allez-vous? Bien. Oh, j'en serais ravi. Que diriez-vous d'un dîner demain à 20h? Parfait, à demain. Gloria Dallas, la diva Gloria vient dîner demain ici même. La cantatrice, vous la connaissez? Que vais-je bien pouvoir préparer pour le dîner? Pour une artiste aussi talentueuse, il faut ma blanquette. Je vais lui faire ma blanquette maestro. Bon, Max, on en était où? Ah oui, les musiques de la rue, il faut s'en nourrir. Et les respecter. Mais dis-moi, Max, tu m'as l'air bien pressé. Aurais-tu donc un rendez-vous, toi aussi? On a répète avec les ninjas. Samedi, c'est la fête de la musique et on joue sur le parvis de la tour Beau Soleil. Il y aura plein de monde. La fête de la musique? Eh bien, tu vas en profiter pour écouter et t'inspirer des autres musiques. Allez, file! Yeah, yo, sortez la boombox, car Max est... Là. Il y a un gros souci pour samedi. Les ninjas sont programmés pile à la même heure qu'un autre groupe. Et l'autre groupe, c'est... Les musettes pépères. Oh. Les musettes pépères? Le groupe de la maison de retraite? Oh, c'est pas possible! Il faut faire quelque chose! Ninja Vénère 15h, musette pépère 15h aussi. Désolé les gars, il y a dû y avoir une erreur à l'inscription, mais il va falloir faire avec. J'ai plus aucune place de libre pour samedi. Faudra vous partager le temps sur scène. Et du coup, on n'a plus que 15 minutes chacun. C'est ça. Et puis, honneur aux aînés, hein. Les pépères jouent en premier, bien sûr. Allez, on se voit mercredi pour la répétition générale. Si les pépères passent avant nous avec leur musique de la préhistoire, ils vont faire fuir tout le monde. Ce sera la défaite de la musique. Pas sûr. J'ai peut-être une idée. Mais ça va jamais marcher, ton truc, Max. Fais-moi confiance. Les autres musiques, il faut les respecter. Si on montre du respect aux musettes pépères, on a une chance de les convaincre. Allez, on y va. Respect, sourire et gentillesse. Allez, pose ta carte, on va pas y passer la nuit. Bonjour, on est les Ninja Vénères. Vous savez, on joue juste après vous samedi. Alors on passait, histoire de faire connaissance, quoi. Bonjour les enfants, oui, on a appris pour samedi. 15 minutes, ce sera bien assez pour faire chauffer la piste. Oui, on vous a apporté des bonbons. Vous êtes bien dans votre fauteuil? Hey, il y a votre coussin qui glisse. Voilà, bougez pas. C'est moi qui les ai faits. Vous avez besoin de rien? Oh, merci les enfants. Délicieux tes gâteaux, ma petite. Vous voulez quoi exactement, les asticots? Annoncez la couleur. Votre musette, c'est vraiment sympa, hein. Mais là, au bout en train, pour la fête de la musique, c'est pas trop votre public. Vous risquez d'être déçus. Et puis, ça va faire beaucoup de fatigue pour seulement 15 minutes de scène. Vaudrait peut-être mieux rester ici au calme, non? C'est vraiment gentil de penser à notre petite santé, les enfants. D'ailleurs, justement, si vous pouviez nous laisser, ça va être l'heure de notre sieste. Carte! Vous voyez, c'était simple. Fallait juste leur montrer un peu de respect. Mercredi, répète sur le parvis, et samedi, la scène est à nous. Ouais! Ok, c'est bon.
bon pour vous. Maintenant, c'est au tour des ninjas vénères. Et ensuite, les musettes pépères. Les pépères joueront pas, Malika. Il y aura que nous. Ils nous laissent la scène. Et pourquoi donc on veut les pépères? Max, tu es sûr de toi? Alors, les bigorneaux, vous avez vraiment cru qu'on vous laisserait jouer à notre place? Ce serait plutôt à vous de laisser la scène aux anciens, non? Il a raison! Ça, c'est parler, Jean-Pierre! Pépère un jour, pépère toujours! Bon, les ninjas, vous allez déjà commencer à répéter. Et ensuite, les musettes pépères. Écoutez ce refrain, c'est le gros son du bout en train qui va vous faire chavirer. Et vos têtes se tournent, skipper, et on balance le son. Moi, je frappe au fil des saisons. Max vous met la pression, c'est sûr qu'on passe à l'action. Car on est plus des potes, on est les ninjas vénères. Si tu vois passer nos potes, c'est que tu te trouves couché par terre. Sois pas jaloux de notre style, on peut t'en donner ce que tu veux. Mais si tu fais de la rime facile, oh ben désolé, encore ma vue qui me joue des tours. Mais il faut reconnaître que ça fait des vacances quand on arrête la scie sauteuse. Les ninjas, c'est ok pour vous, hein? On va passer au pépère. Vous en avez pas besoin, votre musique pique tellement les oreilles que quand vous jouez, vous préférez pas vous entendre jouer, je comprends. Mais que, rends-moi ça, respecte un peu les anciens, espèce de boîte à meux. Faut que jeunesse se fasse et que vieillesse s'efface. Bah vraiment merci, hein. Grâce à vous, c'est plus la fête, c'est la guerre de la musique. S'ils passent avant nous, les pépères vont endormir notre public avec leurs musettes. Quel genre de musicien veux-tu être, Max? Un grand musicien? Parmi les meilleurs musiciens du monde? Oui. Alors si tu veux être un grand musicien, tu dois avoir l'esprit ouvert et créatif. Sinon tu seras seulement un joueur de musique. Souviens-toi, Brahms s'est inspiré de musique de la rue pour ses danses hongroises. Goûte. Maestro Barenboim, c'est bon. On dirait un plat de ma grand-mère, mais c'est pas pareil. Il y a un truc en plus. C'est la blanquette maestro que nous mangerons ce soir avec Gloria. Je me sers de la recette traditionnelle de la blanquette et j'y ajoute mes ingrédients secrets à moi. Des épices qu'on ne trouve qu'en Argentine. J'aime la blanquette et les épices. L'un n'empêche pas l'autre. Mais oui, bien sûr, c'est pareil avec la musique. C'est pas eux ou nous. On va mettre un peu de musette dans le rap et un peu de rap dans la musette. Vous allez faire votre propre blanquette. Malika, c'est Max. J'ai une idée pour samedi. Tu pourrais convoquer les pépères et les ninjas ce soir au comité des fêtes? Ouais, merci. Jouer avec les pépères? Mais Max, t'as une bronchite du cerveau! Réfléchis, Bac, au lieu de jouer chacun dans notre coin pendant 15 minutes, on jouera ensemble 30 minutes. Et en mélangeant nos deux musiques, on va créer quelque chose d'unique! Léon pourra faire une boucle avec l'accordéon de Lucien sur un de nos morceaux. Et toi, tu pourras beatboxer sur une musette des pépères. Ce sera de la balle, je te dis. Ouais, rap musette, ça me plaît bien, ça. Rap pépère et musette vénère. C'est vrai que c'est pas courant, père. Jouer avec cette boîte à meux, pas question. Oh, c'est dommage, on y était presque. C'est entre Jean-Pierre et Bac que ça coince. Si au moins ils arrivaient à se parler. Faudrait surtout qu'ils comprennent qu'ils ont tout à gagner à jouer ensemble. Peut-être qu'en s'y mettant à plusieurs pour leur expliquer... Ils comprendront mieux. Maman, on va avoir besoin de toi et de papa. Bravo, Bac, tu m'as scotché avec ton idée. Jouer avec les pépères pour la fête de la musique, ça, c'est du lourd. Ouais, mais non, en et fait... Et puis du coup, c'est plus 15 minutes pour les ninjas et 15 minutes pour les pépères, c'est 30 minutes pour les ninjas pépères. Les ninjas pé quoi? Trop fort. Bravo, mon petit. Grâce à toi, ça va être une belle fête. Je vais préparer mon gâteau au chocolat pour après le concert. Tu m'en diras des nouvelles. Mais... C'est vrai, ce môme est un génie. Allez, je file, j'ai du boulot. Encore bravo, mon grand. Moi, je vais préparer mes gâteaux pour samedi. Musette, quelle bonne idée! Oui, et c'est grâce à Jean-Pierre! C'est vrai, ça? Quoi? Les ninjas pépères, mais quelle idée formidable! On va bien s'amuser! Vous êtes un super exemple pour nous, les petits! Jean-Pierre, je suis votre plus grande fan! Oh, mais...
T'es là? Cette fois, ça passe. Ça casse. Bon, Max, j'ai bien réfléchi. Enfin, on a bien réfléchi. Et on pense que ce concert ensemble, c'est une sacrément bonne idée. Allez, au boulot. On est plus des potes. On est les ninjas des pères. On va passer nos bottes. Ma chère Gloria, le petit prodige au piano, eh bien c'est le fameux Max dont je vous ai parlé.